Bonjour à tous, c'est Rose, on se retrouve aux Gorges des Vents Brûlants pour l'épisode numéro 9 du Let's Play Accéléré consacré à un boost sésame pour arriver au niveau 90. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible et le plus rapidement possible. Donc je vais commencer par prendre les quêtes, il n'y en a qu'une apparemment pour l'instant. Je vais vider mon journal de quêtes des quêtes qui sont dans les autres zones, quoi, qui me serviront à rien pour l'instant. Et je vais donc boire ma potion d'XP, hop. Par contre là je vois qu'il y a déjà une quête de mascotte, 30 000 XP, je ne crache pas dessus, c'est parti. On va la faire rapidos. Allez hop, c'est parti. On déferraille tout ça. Boum. Prochain coup t'es mort. Mais ça me rend des PV. Bon bah les petits dragonnets c'est tout bidon à buter hein. Hop. Donc aujourd'hui le but de l'épisode c'est vraiment d'aller le plus rapidement possible. Parce que je suis niveau 47 et j'aimerais bien finir ce let's play d'ici la semaine prochaine, donc arriver 90. Il y aura certainement deux épisodes ce dimanche. Comme ça, si j'arrive niveau 60 tout à l'heure ou demain, je pourrais déjà commencer des vidéos avec mon perso 90 en PVP et commencer à le stuffer, quoi. Donc voilà, niveau 48. Plus que 12 niveaux, ça va aller vite, je l'espère. Donc comme vous pouvez entendre à ma voix, j'ai pas changé de micro, c'est toujours le même, mais j'ai changé de PC. Donc oui, il est là, ça y est, c'est fait, j'ai mon nouveau PC. Il va super bien, mais mon micro, vieux micro plus nouveau PC, ça le fait pas, donc je vais devoir changer aussi rapidement, je pense. Parce que là, j'ai une voix de merde. Et j'ai beaucoup de parasites dans le son. Ça fait un peu chier. Bon, je vais virer la mascotte parce qu'elle m'ennuie plus qu'autre chose. Hop. Je suis en tank, donc on fonce. Voilà toi. Taunt. On a re. Hop. Donc là j'ai du retard à rattraper. Ça fait genre 3 semaines que j'ai pu toucher à ce personnage. Ça me fait chier qu'il soit encore au niveau 50 cette semaine. J'aimerais vraiment bien qu'il soit 90, que je puisse un peu le jouer. Entre les raids de guild. Donc vu que j'ai un nouveau PC, ce qui est bien, c'est que comme vous pouvez le voir, les graphismes sont complètement cheat. Donc putain, c'est où graphisme. Donc là je tourne en 1920 par 1080, donc ça c'est cool. En qualité bonne. Avant je mettais en ultra, mais j'ai remarqué qu'en raid y a pas de problème de ça saccade ou quoi, mais vu que j'ai changé d'écran aussi, je suis complètement abasourdi par la beauté du jeu. Et vu que les graphismes plus nouvel écran à fond, ça me fait un petit peu chier parce que je suis pas habitué. Donc du coup comme vous pouvez le voir à mon interface par rapport aux autres vidéos, il y a tout qui est écarté, et du coup mon champ de vision en fait ça fout un petit peu la merde, et ça a un petit peu niqué mon gameplay au dernier raid. Mais bon, passons. Ce perso, pour rappel, une fois qu'il sera niveau 90, ça va être quasi que du PVP. Par contre, je sais pas quand je vais en faire, étant donné que j'ai reçu mon accès à la bêta. Mais bon, pour l'instant, les serveurs bêta sont crash, donc c'est pour ça que je profite de ce petit temps pour faire le let's play. Donc voilà, au niveau de la chaîne, vous allez prochainement, même certainement,
avoir plein de vidéos bêta, y compris de Hearthstone aussi. Je m'y suis remis un petit peu parce qu'il y a eu l'extension et elle me plaît beaucoup. Donc j'ai plus de quêtes. Ça c'est magnifique, ne plus avoir de quêtes. Ouais, qu'est-ce que je fais? Putain. Je vais aller voir au nord, il y a peut-être des PNJ qui filent des quêtes ou quoi, j'en sais rien. C'est une zone que je n'ai plus fait depuis, bah, comme tout le reste, depuis le cataclysme. Mob rare, mob rare, mob rare, mob rare, mob rare. J'ai entendu que ça gueulait. Me dis pas que c'est dans les grottes en dessous, ça me fait chier. Bon, bah, on va défourailler les petits mobs. De façon, il y a peut-être le rare dans le tas, non? Non. Il est pas là, il doit être dans une grotte en dessous, je sais pas. Bon, ça me ferait chier de ne plus trouver de quête dans cette zone, étant donné que au let's play précédent. Ah, tu marres. Parce que tiens, enfoiré. Je vais le mettre en focus, hop, ciblé, focus. Ouais, il est pas dans mon rayon de. Ah si, bah je sais pas où il est. Il doit être sous la terre. Enfin bref, on verra plus tard. Je sais plus du tout ce que je disais d'ailleurs, super. Ouais, ça me ferait chier de ne pas trouver de quête dans cette zone. Étant donné qu'à l'épisode précédent, j'ai laissé le hasard choisir la zone entre Tanaris et ici, et que je suis tombé ici. Ah, un collègue bas niveau, un niveau 50. Ah, des quêtes, des quêtes. Même pas, putain. Ça craint, quoi. Pourquoi j'ai pas de quête? Tac, tac. Au nord, ça se trouve, c'est même pas là que je dois aller. Pas de mob rare, pas de mob rare. Putain, ça craint ça. Bon, j'espère ne pas tourner en rond dans cette zone trop longtemps parce que je viens de claquer la dernière popo qui me reste. Si je tourne trop longtemps, je sens que je vais devoir aller en looter une deuxième. Je vais devoir farmer du mob rare. Ça me fera un peu chier. Est-ce qu'on suit des couillons ou pas? J'en sais strictement rien. On va aller voir par où ils vont. Je sais pas où ils vont du tout. Peut-être qu'il y a un campement là. Oui, des quêtes, nickel. Bon bah, grâce à eux, on a trouvé où il y a des quêtes. Allez, c'est parti. Hop, on prend les quêtes. Moi, franchement, bah, comme vous l'avez vu depuis le début du let's play, je lis très rarement les quêtes, je fonce direct dans le tas. Le but du let's play accéléré, c'est quand même de rusher un bon coup. Hop. On pull tout ce qu'on peut, tac. Hop. On fait la méthode Arami Twink. On fonce dans le tas. On se retourne pas. Bon, par contre, je vais peut-être me calmer sur les mobs. Bah, quoique je suis un tank, j'ai des CD def maintenant. Hop. Peut-être passer en posture berserk, histoire d'avoir de la rage, ce serait bien. Parce que là, la rage que j'ai, bah, elle monte pas très fort, c'est un peu saoulant. On finit les mobs, voilà. Donc apparemment, je dois tuer 10 géologues. Mais moi, sombre fer, c'est un truc qui se loot. Putain, déjà 14. Ouais, bah, c'est un truc qui se loot, apparemment. Donc, hop, on va aller dans le terrier, déterrer les nains. Hop, vive la charge, c'est cheat. On provoque les mobs se ramènent, c'est cool. La vengeance, la rage à fond. Hop. Franchement, un peu sur Berserk, ça enchaîne les mobs, quoi. Ça abuse assez, c'est cool.
Tac. Tout est mort. Il me restera 4 géologues. J'espère qu'il y en a. Ouais, il y en a encore. Ah bah, nickel. Déjà le deuxième niveau. D'up. En 9 minutes, un peu moins. Je suppose que maintenant que j'ai changé de PC, je peux faire des épisodes un peu plus longs. Donc on va tester. Et pour ceux qui se demandent si j'ai déjà changé de logiciel de montage ou non, non, je suis toujours sur Movie Maker. Parce que mon PC, ben super, c'est Windows 8. Et le temps que je m'habitue, franchement, il y a des jours où je m'arrache les cheveux de la tête. Et franchement, j'ai pas envie de passer mes nerfs et sur Windows, et sur des logiciels. Et sur Windows et sur des logiciels de montage, donc du coup je préfère me concentrer d'abord sur Windows, m'habituer un petit peu 2-3 semaines, et puis après je fous des logiciels de montage un peu plus costauds, et là ça va envoyer du lourd. Hop. De toute façon, une vidéo, à part l'intro au début qui peut être un petit peu montée ou quoi, je vois pas vraiment ce que je peux faire de plus. Ah, un coup, j'ai toujours pas de coup. Au niveau 49, j'ai toujours pas de coup. Troisième niveau, ça c'est cool. Niveau 50, bon ben voilà, mon collier. Agit en du, bon, il y a de l'endu, c'est cool, je suis tank. Hop. Putain, plein de quêtes, ça c'est cool. Ça c'est même génial, je dirais. Donc, hop, je parais que je dois aller au nord, ouais. Oui, poulet cendré. Bon, bon, défourailler tout ça. Je parais que c'est des petites poules. Ah, et je dois tuer des araignées aussi. Allez, viens là, ma grosse. Bon, bah. Ah! Encore une quête. Bene. Super. Affaiblissez 8 araignées pour que... Ah oui, puis ça sort, je me rappelle de cette quête, elle est complètement fumée. Donc, ce que je dois faire, c'est en fait abaisser des mobs un certain pourcentage de vie pour que le gros puisse... Voilà, ça sort dessus. Enfin, là, il se couche dessus. Complètement délire le mob, je sais pas, c'est un fou dans sa tête. Pas le tuer, vas-y, saute dessus, voilà, elle a affaibli, c'est cool. Après, ce qui est chiant, c'est que ah cool, je peux ramasser le venin sur sa panse. J'allais dire, justement, ce qui est chiant, c'est que je dois en tuer pour récupérer le venin et les blesser pour qu'ils puissent monter dessus, mais apparemment quand ils montent dessus, bah le venin s'accroche sur son ventre. Et ça c'est cool, je vais vérifier. Ouais, c'est bien ça, le venin s'accroche sur son ventre et je peux le récupérer, donc ça c'est cool. Je dois pas me taper 50 000 fois les mêmes trucs. Donc les poulets, je suppose que c'est gros truc, ouais, avec un coup bizarre. Vas-y, saute dessus mon gros. Par un pétaouchnac à chaque fois. Putain, ça c'est complètement n'importe quoi. Ils ont fumé, c'est bizarre quand ils ont fait ce truc là. Bon gros lard, tu bouges. Allez, regardez ça. C'est immonde. Putain, ils ont fumé, c'est bizarre. Putain, des fois ils prennent de la drogue ou je sais pas quoi. On dirait un dessin, enfin un mob inventé après qu'un gosse de 5 ans ait dessiné ça, quoi. Putain, abusé. Ah, oh, putain, je l'ai buté. Ah, oh, bah ça a compté, cool. En fait, je peux les buter, c'est nickel. Et du coup, je récupère 2 venins. Ah, ça c'est cool. Donc j'ai récupéré 2 venins quand il a sauté dessus, et je l'ai buté, je l'ai fouillé, ça m'a encore rendu un venin. Bon, bah, il m'en manque plus que 4. Les poulets à coups bizarres, ben, je sais pas où ils sont. Bon, ça me dit au nord. J'en reviens, quoi. Bon. On va regarder s'il n'y a pas... Ah, il y avait un rare, merde. Tant pis. Donc, voilà. Après, je sais bien que...
que quand je m'entends avec ce micro et ce casque, des fois il bug et ça fait un son un peu comme ça quand je parle. Donc du coup, j'essaie de ne pas m'arrêter de parler pour le let's play, pour pas que vous ayez à entendre ce bruit dégueulasse. Hop, un poulet bizarre. Du coup, on doit pas descendre à la monture pour les ramasser. Normalement, les araignées, ouais, il y en a là. Putain, mais fous la paix au poulet! Putain, j'ai buté. Pas grave, hop, en même temps, je ramasse le poulet. Est-ce que je peux aller par là ou ça me fait tomber dans un immense trou? Ça me fait tomber dans un immense trou. J'ai pas envie d'aller par là. Araignée, viens là. Vas-y, mon gros. Saute dessus, voilà, c'est bien. Et maintenant, je la bute. Il y a moyen de la buter ou pas? Hop, ramasse ça. Donc, 27 000 XP pour que Bene puisse s'amuser. Oh putain, rare. Allez, viens là, gros porc. Putain, il est stylé, on peut le dompter, bête. Tiens, j'aimerais le dompter si on peut. Alors, ça ressemble à quoi? Ah, un home un petit peu style hurlevent, je vais le prendre. Je vais pas le vendre au PNJ, à mon avis ça peut se vendre à HV genre 100 PO ou un truc dans le genre. Apparemment la transmo sur les gros serveurs ça rapporte. C'est pas sur Vol'jin que ça arrivera. Comme là je suis sur Archimonde, que c'est un serveur où il y a blindé de monde, et ben du coup ça peut rapporter quelques PO. Bon, il manque un poulet bizarre. Allez, hop. On retourne vers le nord en espérant qu'ils ont pop. J'espère qu'ils ont pop, ça me ferait chier de devoir attendre un petit peu. Ah, il y en a un là. Nickel. Après, on va aller voir au sud pour les deux autres quêtes. Tac. Ah merde, c'est là. Bon, ben, on va les rendre. Si ça se trouve, on doit retourner à cet endroit-là. S'il y a des suites. Hop. Le poulet. Plaque. Il touchait, je vais prendre ça. Comme ça, j'arrêterai de rater mes coups. Il y a moins de stats, mais tant pis. Tac, tissu, plaque, jambe. Non, on s'en fout, on prend les plaques, jambes, ça se vend le plus. Ouais, hop, c'est parti. Et voilà, quatrième niveau. Le tout en à peu près 17 minutes, ça c'est bien. Je chôme pas quand il s'agit de faire des quêtes. Donc bon, on va sauter, il n'y a pas un mob là. Si, nickel. Allez, on spam charge. Pas de dégâts de chute, ça c'est bien. Donc, la quête. Sombre braise. Un truc à buter. Putain, j'ai défoncé. Sombre braise. On va lire tout en tuant. Tuer des examens. Ouais. Bon, on va tuer des mobs jusqu'à ce que le sous-chef se ramène. J'ai bien compris. Ouh. Ah. Un truc qui a explosé derrière moi. Non, toujours pas le chef. Il était où le mob rare de tout à l'heure? Là. Ouais, non, je sais pas où est l'entrée de la grotte. Putain, c'est pas par là. Élémentaire ressemblant. Non, bah, tu vas encore des méchants. Voilà, on défonce. Allez. Un coup. Tu pop quand, trou de balle? Ah putain, je sais pas si j'ai one shot, j'ai pas fait gaffe. Canal machin, non, il a pas gueulé, donc c'est bon. Allez. Hop, c'est parti. Est-ce qu'on pop? J'ai cru qu'il était bugué. Ah non, il faut faire le truc de rocher. Ah voilà. Chef machin, t'es où connard?
suis sûr il est là. Non? Non. Trop de balles, putain. Ce qu'il y a. Là. Sur son beau poney. Un plaisir. Allez hop. Il est toujours pas mort, allez! Et quoi? Il est pas mort? Il me dit qu'il est sur moi, il est où? Je vois bien un crâne là! Sombre braise, ah putain! Heureusement qu'il y a un crâne, hein. J'aurais encore couru partout comme un idiot en me demandant où est-ce qu'il était l'item. Putain, je te jure, il y a des fois où... Comme dans l'épisode à Sombre Comté, un truc est pile sous mes pieds et moi je cherche après comme un con pendant 10 minutes. Toujours pareil avec moi. Un éléphant dans un couloir, je le vois pas. Allez hop. Allez! La petite poupoule. Mon dieu. Hop, 27 000 XP, la halte du Thorium, présentez-vous. Ah ben il me renvoie là-bas, donc j'aurai peut-être des suites de quêtes, ça c'est cool. Bah normalement j'en aurai, c'est sûr même. Je dois aller où là? Cogne machin. On va lire la quête, si jamais. Non, c'est bon. Une relique, obtenir la corne gigantesque de Margol, machin. Il y a plein de bestioles là. Non, on peut pas libérer ce machin. Ouais. Ah, peut-être par là, ouais, sûrement. Ouais, c'est sûrement par là. Mais... Non, bah oui. Corne machin. Putain, il en a des PV. T'as qu'à PV, là. Ouais, j'ai plus de rage que ce que j'en dépense, c'est cool. Voilà, meurs, merci. Et je dois aller rendre ça au petit campement. Dans 2-3 minutes, je vais m'arrêter pour cet épisode. Malheureusement, le temps passe super vite. Golem, je croyais que c'est celui-là. Ouais, bingo. Mob rare. Hop, boum, 13 000 XP, ça c'est cool. Les gants, putain, je vois pas à quoi ils ressemblent. Ouais, ils sont pas terribles. Bon, on va faire les nains. Ils sont chiants plus qu'autre chose. Je spam, je spam, je spam, je spam. Putain, 900 XP. Allez, cassez-vous. Je ferais bien demi-tour pour leur péter la gueule, mais je sens que je vais encore aggro, aggro, aggro. Et qu'au final, je vais rester un quart d'heure au petit campement et ça servira à rien. Donc voilà, je suis sorti de combat, la monture. Hop, c'est parti. Tac, tac, tac. On rend ça. Oh vieux nain, putain il est dégueulasse ce skin du nain. Les yeux rouges, albinos. Bon, pas de suite de quête, hop, on retourne au premier campement. Pardon. Bon, un petit coup de ce qui fait quand même chaud et que j'arrête pas de parler. Marche auto. Donc, je me sers à boire, enfin. Donc je bois plutôt. Putain. Marche auto par là. Donc, c'est où l'entrée du camp? Là-bas.
Allez, j'aggro toute la map. Bah, je sais pas où est-ce que je vais me rendre après. Certainement à la gorge des vents brûlants. Non, c'est où je suis là. En dessous, c'est comment? Putain. Les steppes ardentes. Ou alors, tac tac, les terres foudroyées. Mais c'est orange, donc je sais pas si j'aurai lesquelles. Normalement, les terres foudroyées, je termine là-bas. Putain, mais c'est éclairé comme ça. 3000 XP, ouais, cool, ça c'est bien. Ah, plein de quêtes. Hop. On a 6 minutes pour faire les quêtes. Une demi-heure de popo par épisode, ça c'est bien. Tac. Après, j'irai en reroute. Ah bah, à mon avis, c'est défonce tout le campement, c'est ce que je vais faire. J'aime pas les nains. Enfin, j'aime bien les nains, mais pas ceux-là. Ils sont tout dégueulasses, là. Ah, notre copain. Affaiblissez cette machin. Voilà. Mets leur ta tête, leur tête dans ton cul, t'as raison. Putain, je te jure, quoi. Ah, les copains qui font les mobs. Ouais. Je dois remplir 10 flacons de fournaise. Je suppose c'est sur les LM. Récupère un échantillon de survie dans l'élémentaire de feu. Ouais, c'est bien ça. Allez, hop. Et on clive, on clive, on clive, on clive. Faudrait que je trouve le moyen d'enlever les messages et le fait que le PNJ dise pas encore, peut-être, peut-être. Hein. Putain, je dois les cibler, fais chier. Me dis pas que c'est pas les bons mobs. Non, c'est pas les bons, à moins que ce soit cela non plus. Qu'est-ce que je fabrique comme connerie? Tac, alimentateur de feu. Ah putain, il faut qu'ils soient encore en vie. Je fais de la merde. Ah, ouf, presque one shot. Là, moi, attends. Hop. Ouais, le souci c'est que l'autre doit monter sur les mobs. Ça compte lui? Ça compte pas. Vas-y, mets-le dans ton cul, t'as raison. Il y en a un autre là, vas-y, mets-le dans ton cul aussi. Voilà, deux. Mais là, il est dans... Chut. Il a un temps de recharge, gros. Putain, il veut pas mettre les mobs dans son cul, hein. Allez. Oh putain, je l'ai buté. Bon, on va aggro tout le village. Allez, hop. T'en mets un dans ton cul? Allez, celui-là, il est... Voilà, c'est bien. Là, je vais pas me faire 50 000 packs pour que Monsieur l'Ogre se foute des nains dans le cul, quoi. Donc les golems, hop, c'est bon. On manque plus que 6. On va aller par là. Hop. Vas-y, mets le nain dans ton cul. Allez, hop, il est bas PV, c'est bien. Après, je fais comment pour trouver la longue vue, mec, si tu mets tous les nains du monde dans ton cul? Ouais, 31 minutes. Je pensais que ça prendrait moins de temps. Bon, on va devoir finir l'épisode prochain.
un petit peu plus rapidement, à moins que je me presse d'aller looter une autre popo. Je crois que ce sera le nom de l'épisode d'ailleurs, les nains dans le cul de l'ogre, étant donné qu'apparemment il aime bien ça. Complètement débile l'ogre. Oh putain, je vais à tout village. Excellent. J'espère qu'il désaggro pas. Ouais. Okay. Oh putain, il y en a un qui a désaggro. Enfin, il est passé en vite quoi. Par contre, moi qui pensais que ma rage monterait plus rapidement, c'est Kékette les boules de gomme. Ah, il en a mis deux dans son cul. Forge machin, tuer, longue vue, ça doit être là, on peut pas la ramasser quelque part. Non, il faut vraiment que j'en bute, quoi. Enculé. Voilà. Ah, la longue vue, nickel. Bon, il a pas mis le mob dans son cul, mais au moins il a eu la longue vue, ça c'est cool. Ouais, donc eux c'est bon. Je peux encore faire deux dans le cul de l'ogre. Vas-y, voilà, c'est bien, il a sauté dans son cul. Il a mis l'un dans son cul, pardon. Allez! Allez! Voilà! Validé. Hop, merci monsieur. Ah voilà. Donc on aura fait 5 niveaux, je crois, cet épisode. Un petit peu plus même, donc c'est cool. C'est quoi ça? Berserk. Allez hop, on défonce. Il est encore en vie. Ouais, nickel. Bon réflexe de mettre la popo. La popo dans le cul. Hop, 2-2. Bon, ben, on va vite finir ces quêtes-là. Comme ça, à mon avis, je vais prendre un sixième niveau. Ce serait bien. Et on va essayer de finir le prochain épisode sur les chapeaux de roue. Comme ça. Ben, à moi l'Outre-Terre. Et dès que j'arrive en Outre-Terre, ce sera un épisode spécial. Étant donné que je vais vous montrer ce dont je parlais l'autre jour. Donc, comment PL un pote ou quoi. Les cordes élémentaires en feu. Ouais, putain, je vais où là? De l'autre côté. Donc épisode spécial étant donné que je vais vous montrer les différentes façons que les gens ont pour PL des amis ou quoi en donjon. Et ça va aller très 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 vite. Normalement, sans exagérer, en 10 minutes, je vais prendre 4-5 niveaux. Et les gens, bah, ils font ça habituellement, ça va très très rapidement, pour aider des potes à monter leur niveau. Hop, la popo, on le finit. Hop, la popo, on le finit. La popo, allez hop, c'est fini, t'es mort. Là, il y a encore des mobs là-bas, c'est cool. Tac, la popo. La popo, hop. Il n'en reste pas énormément, donc encore 3 mobs, 2 maintenant. Après j'irai rendre les quêtes et ce sera tout pour cet épisode. Un petit peu plus long que d'habitude. Normalement au montage ça devrait pas merder cette fois. Si ça merde au-delà de 40 minutes de montage, c'est que Movie Maker c'est vraiment de la merde. C'est déjà pas hyper sophistiqué comme logiciel. Mais bon, à ce point-là, ce serait vraiment de la daube.
Donc on va rendre les 5 petites quêtes. Normalement, je level up tranquillou. Hop, on rend ça. Qu'est-ce qu'il propose? De la plaque, une tête. Ça ressemble à quoi? J'aime bien regarder les skins. On dirait un truc de Star Wars, mais c'est dégueulasse. Hein, bref. On va prendre le truc le plus cher, donc ça. Nickel, voilà. Allez, putain. Collier, non, non. Plaque, toucher, nana, je gagne quoi? Je gagne de l'armure. Je perds de l'enduit, c'est bien, on va prendre ça. Hop, qu'est-ce que tu me files? De l'XP, c'est cool. Une quête en plus, c'est cool. Ah, d'autres aussi en fait. Et voilà. Et donc c'est là-dessus qu'on va se quitter sur ce beau level up niveau 53. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour suivre mes prochaines aventures, mes autres vidéos et tout. Il va bientôt y avoir de la bêta, du Hearthstone et tout, donc n'hésitez pas quoi. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.